Bien bonsoir à tous et à toutes, ici mes pays, gardien de la tradition, que le créateur et le mal de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici mes pays, gardien de la tradition, avocat des femmes. Bienvenue sur votre chaîne, Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas rater une nouvelle vidéo et surtout abonnez-vous. Messieurs, dames, bienvenue sur votre chaîne, Secret pour les femmes. Prenez votre petit carnet, écrivez. La chaîne de la connaissance, je vous donne tout type de connaissances, mesdames, pour aller de l'avant et aussi les messieurs qui sont là, parce que c'est vrai, beaucoup de dames me disent oui, mais maître, vous avez laissé la chaîne pour les, notre chaîne et puis vous donnez beaucoup plus de choses pour les autres. Parce que il y a beaucoup de messieurs qui sont abonnés là, donc je ne peux pas zapper les gens, je suis obligé de. C'est pour ça que je vous ai dit, abonnez-vous sur la chaîne. Ce que pour les hommes et s'en s'occupe. Parce que je vais distribuer les choses un peu partout. Donc c'est à vous de faire votre cahier, mais que vous prenez un peu partout. Parce que connaissance, c'est connaissance. Quand on fait pour avoir la connaissance, il faut que la connaissance en général surtout. Mesdames, nous avons eu l'occasion de parler de parfum. Nous n'allons pas revenir dessus. Vous savez très bien, on ne donne pas, on n'offre pas un parfum, un cadeau à son partenaire. Ça, c'est le problème que vous allez amener, ça, c'est la séparation que vous allez amener dans le couple. Nous avons déjà parlé de ça. Mais, je vous avais aussi expliqué, dans cette même histoire de parfum, si c'est le cas, quand vous donnez à votre partenaire le parfum, faites-lui vous donner une pièce. Mais le mieux, c'est éviter ça. Donc le but c'est pas de reparler de parfum parce que je vous ai déjà dit ça, mais pour les nouveaux abonnés qui ne peuvent pas peut-être retourner sur les anciennes vidéos, je répète ça ici, on n'offre pas de parfum. Ça c'est un moyen radical pour vous séparer. On n'offre pas de parfum à son partenaire, ça se fait pas. Si la personne veut du parfum, donner de l'argent, la personne n'a qu'à aller acheter son parfum, ce n'est pas mieux. Et il faut comprendre le pourquoi, parce qu'il faut être clair, il faut être très 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 clair. Ensuite, nous allons parler ici, dans cette vidéo, du pouvoir de la femme en elle-même. Mesdames, je suis venu maintenant sur vous. La femme a un pouvoir extrême. Parce que, un, la femme procrée, la femme donne la vie. Le Créateur a choisi la femme. C'est pour ça que je vous ai dit, mesdames, c'est maintenant votre avocat. La femme donne la vie. Donc la femme, si elle donne la vie, ça veut dire qu'elle est différente. On lui a donné des facultés pour donner la vie. C'est pour ça que les femmes, c'est toujours les derniers, ce sont les dernières du moins, à quitter ce monde. C'est toujours les hommes, la majorité. D'après les statistiques, moi je n'invente rien ici, c'est toujours les hommes qui partent en premier et la femme reste là. Pourquoi? Parce que pourtant, la femme subit beaucoup de choses. La femme encaisse. La femme encaisse émotionnellement, physiquement. Sur tous les points, la femme encaisse beaucoup. Pourtant, elle arrive à tenir. Donc, ça prouve que les femmes, vous êtes différentes. Mais cette différence, il faut le mettre à profit pour vous-même. Vous permettre d'évoluer et d'avancer. Je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez commencer à prendre un autre chemin qui vous aidera beaucoup. Énormément, c'est de vous valoriser vous-même. Chaque matin, quand vous avez fini de prendre votre bain ou votre douche, toilette ou peu importe, vous prenez votre miroir et vous parlez à vous-même, parce qu'il y a votre reflet dedans. Vous parlez à vous-même, vous dites je sais qui je suis une femme. Ça, il faut toujours avoir les énergies positives. Je vous ai dit, nous sommes faits d'énergie. Et l'énergie et la pensée, elle est créatrice. Et des énergies positives sur vous-même. Vous vous regardez, c'est vous. La pensée que vous allez émettre, ça reviendra vers vous puisque vous vous voyez. Donc, émettez des bonnes vibrations sur vous. Vous dites, non, aujourd'hui c'est une bonne journée. Je sais que tout ce que je dois faire, ça marchera. Je passerai une très bonne journée. Ça, c'est important. Mesdames, ce que je vous dis là, c'est important. C'est très, 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 très important. Ensuite, quand vous avez vos vêtements, par exemple, vous avez un vêtement qui est sale,
Et peut-être que pour ceux qui ont, pour celles qui ont des machines à laver, qui prennent les vêtements pour mettre dans la machine à laver, quand vous mettez le vêtement dans la machine à laver, mettez au moins 3 petites prises de sel fin, de gros sel dedans, dans la machine. Même s'il n'y a pas seulement que vos vêtements dedans. Parce que nous vivons dans un monde où que il y a beaucoup de personnes qui sont mal intentionnées. Faites ça. Ensuite, mesdames, quand vous vous douchez, quand vous vous lavez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous vous lavez, lavez-vous. Excusez-moi. Lavez-vous normalement, mais lavez votre partie intime en dernière position. Et surtout, n'urinez pas pendant que vous êtes en train de vous laver. Ça va vous apporter de la malchance. Faites les choses comme je vous souhaite de vous l'expliquer. Vous lavez totalement partout. Parce que le vagin, votre partie intime, c'est un temple. Si pour celles qui ne le savent pas, c'est une force spirituelle qui est là. Si vous vous souvenez, à la base, toute femme est née vierge. Il y a ce qu'on appelle le bouchon de l'hymen qui est à l'entrée. Pourquoi on a mis l'hymen? Pourquoi on a fermé? Pourquoi on a bouché? Pourquoi le Créateur l'a bouché comme ça? C'est parce qu'on ne peut pas avoir accès là comme ça. Donc une fois que l'accès a été franchi, maintenant il faut l'entretenir pour que la force spirituelle qui est à l'intérieur, qui sortira, que vous ne puissiez pas le donner à n'importe quel homme et demain vous ne comprenez pas pourquoi rien ne marche dans vos vies. C'est parce que c'est vous-même qui distribuez les pouvoirs qui sont en vous, les énergies qui sont en vous, vous les distribuez. Et comme l'homme vient donner, verser en vous tout ce qu'il veut verser, donc ce qui fait qu'il vous charge négativement. Je ne généralise pas tout le monde, mais vous comprenez sur le point, je vais expliquer. Donc, comment faire sa toilette pour que ce genre d'énergie ne puisse pas rentrer sur nous? Il y a des choses. Au niveau de la pharmacie qu'on vend pour faire les toilettes intimes. Mais comme je vous ai dit, vous vous lavez correctement, la tête aux pieds, vous lavez. Mais touchez la partie intime, le vagin, on le touche en dernière position. Quand vous êtes bien lavé, vous le lavez à part, tout seul. Ne vous mettez la main partout, vous foutez partout. Vous allez vous-même vous poser que la malchance sur vous. Parce que c'est une force occulte qui habite là. Et qui mérite beaucoup de respect. Ça, c'est de grandes révélations que je vous fais. Partagez massivement cette vidéo. C'est un gros secret. Et quand au fur et à mesure, je vais vous donner des secrets qui se passent dedans, vous allez être dépassé. Vous allez voir comment vous allez pouvoir résoudre beaucoup de problèmes juste par rapport à votre partie intime. Parce que ça a un nom. Après, je vais vous donner son nom. Ça a un nom. Et quand vous dites le nom, après, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Chaque chose sur nous, pour les gens, pour mes frères et sœurs, bouddhistes, je dis Bokaï. Donc, ils savent de quoi je parle. Mais ceux qui ne sont pas bouddhistes, qui sont simplement des gens qui sont normaux, je vais dire, suivez les explications, suivez les conseils que je vous donne et tenez compte de ce qu'on appelle votre partie intime. C'est pour ça qu'on l'appelle la matrice. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la matrice. On l'appelle vagin. Tout ça, il y a beaucoup d'éléments de force qui se passent là. Et c'est votre temple sur vous. Qu'il faut prendre soin. Donc quand vous vous lavez, vous avez fini de vous laver, maintenant à part vous lavez tout seul, c'est-à-dire vous lavez tout seul et vous le rincez, mais sans pour cela mettre tout et n'importe quoi, parce que c'est un temple, on ne met pas tout et n'importe quoi dans le temple. Donc faites la toilette avec les produits recommandés par un médecin, un spécialiste qui vend, un spécialiste qui peut vous donner un conseil
pour la partie intime, pour ne pas bousiller votre flore vaginale. C'est très important. Parce qu'en voulant régler, en voulant faire quelque chose, on peut déranger encore une autre situation. Parce que tout ça, ça fait partie de la spiritualité. Il y a des femmes, si quand vous avez des rapports sexuels avec elles, il y a celles qui sont très sèches. Il y a d'autres, elles sont très profondes. Il y a d'autres, ça n'a pas de goût du tout. C'est-à-dire que l'homme en question, il ne veut même pas rester parce qu'il n'y a pas de goût. On dit que c'est comme quelque chose qui fade. Tout ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est-à-dire que c'est votre alimentation, votre entretien de votre partie intime. Tout ça, ça joue. Et comme les hommes s'arrêtent sur beaucoup de choses, de petits détails, mais ils ne vont pas vous le dire, donc mettez P, votre avocat, et là, vous vous l'expliquez. Il dit que oui, pourquoi il préfère celle-là que moi? Qu'est-ce qu'elle a en plus que moi? Oui, c'est parce que c'est des petits secrets qu'elle a en plus que vous. Donc, si vous suivez votre avocat, vous allez constater que tous les petits secrets que l'autre a en plus que vous, je vais vous l'expliquer et vous allez suivre ça à la lettre et vous verrez que c'est très simple et le résultat est garanti. Il ne faut pas manger trop de viande. La viande, c'est quelque chose qui n'est pas trop bon pour l'être humain. Quel que soit homme ou femme, la viande, trop de viande là. Sauf peut-être que bon, les gens qui sont des athlètes ou des gens qui font des sportifs. Mais un individu normal, l'être humain normal, ne doit pas manger beaucoup de viande. Viande. Beaucoup de viande, c'est pas normal. Des œufs, trop, c'est pas normal. Donc, pour bien manger, il y a des rubriques sous le net qui vont vous expliquer, vous allez dans la rubrique santé, qui vont vous expliquer comment rester en bonne santé, comment manger équilibré et sainement. C'est très important ce que je vous explique. Parce que je vous enseigne tout. C'est ce que pour les femmes, c'est un enseignement au complet. Il n'y a pas que donner seulement recette spirituelle, mystique. Il y a ce côté que je dois vous préparer pour que vous soyez vous-même bien en condition pour pouvoir faire les choses. Donc suivez ce que je vous dis à la lettre. Et vous allez constater que en respectant votre propre corps, en évitant de vous laver la partie intime, vous mettez votre main là-bas et vous passez sur vous-même. Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal parce que vous êtes en train de vous-même de bousiller l'énergie et la force qui se trouve là-bas. Parce que vous l'envoyez partout sur vous. Non, il est un lieu spécifique qui doit rester dans ce lieu spécifique. Il y a des odeurs qui doivent rester à certains endroits, qui ne doivent pas aller autre part sur le corps. C'est très important ce que je vous dis. Personne ne vous a jamais révélé ce que je suis en train de vous dire. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais je dois vous expliquer les choses. Donc, cette explication, je vous donnerai beaucoup d'explications dedans par la suite. Je vais vous donner son nom, le nom de votre partie intime. Comme ça, quand vous direz le nom, vous verrez comment ça réagit. Comme ça, vous allez voir ce que je vous dis là. Mais peu, vous n'avez jamais donné quelque chose de bidon, de faux. Vous allez constater que ça cause tel effet. Même quand vous allez uriner, mesdames, faites attention quand vous allez uriner. On ne va pas uriner n'importe où. Évitez de vous asseoir sur les toilettes, les WC publics. Mettez du papier avant de vous asseoir dessus. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Mettez du papier si vous savez que vous allez vous asseoir sur les WC publics. Je parle WC public. Chez vous, je sais que automatiquement vous entretenez et les toilettes. Mais c'est important que l'endroit que vous allez vous asseoir, parce qu'une fois que vous êtes assis, vous ouvrez la matrice. Donc toutes sortes de vibrations, toutes sortes d'odeurs qui peuvent se trouver dans les toilettes peuvent monter carrément, ça rentre au niveau de votre partie intime, donc ce qu'on appelle dans la matrice. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Donc tenez compte de ça, et je vais poursuivre encore après sur ce sujet. Et je vais vous donner beaucoup de choses et vous allez constater que vous allez régler beaucoup de problèmes juste sans faire aucune pratique mystique.
Même si vous faites des pratiques mystiques sur le côté, mais avec des explications, vous allez constater que vous aurez un changement automatiquement dans votre vie. Vous allez dire pourquoi je n'ai pas connu ça plus tôt. Sous ce, c'était MLP, votre avocat, gardien de la tradition, que le créateur et les mâles de nos ancêtres vous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fin, notre vie. Ici MLP, gardien de la tradition, avocat. Restons tous en vie pour votre bien.